de bien suivre ce journal qui s'ouvre tout d'abord par la page sommaire. À la une aujourd'hui, affaire spoliation de l'aéroport national de Kindu, l'ONGD Action de l'Aéroport Maniema dénonce la spoliation de la concession de l'aéroport national de Kindu par plusieurs autorités au niveau de la presse du Maniema. Dans une interview accordée à la presse le vendredi 1er mars, son secrétaire exécutif fait savoir que ces autorités priorisent leurs intérêts personnels plutôt que l'intérêt de la province du Maniema. Dans ce journal, vous suivrez Raphaël Couperimé Lokenga. Et puis le stade de Joseph Kabila Kabange de Kindu se trouve à ce jour dans un état de délabrement très avancé, constat fait par le reporter après une descente effectuée à Sirlélier sur place. Les herbes envahissent toute la clôture du stade et même l'RTG. C'est tout pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, de bienvenue. Radio Ili Sauti ya Kindu, la chaîne de chaque jour. Et on commence avec cette nouvelle. En plus bref et en image, 4 militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements à l'Utchansible ont été arrêtés par la police le mardi 27 avril 2024 au niveau de l'entrée du gouvernorat des provinces, alors qu'ils se trouvaient en pleine marche pacifique pour dénoncer et demander au chef de l'État la décrispation de l'espace politique congolais, en libérant notamment le prisonnier jugé politique par ces mouvements, le cas de Salomon Idi Kanodadela. Ces militants, avec à la tête Rostini Eradi, ont été conduits au cachot de l'Agence nationale des renseignements, puis au tribunal de grande instance de Kindu. Et puis, face à cette arrestation, le commandant provincial du bureau des inspecteurs des droits de l'homme, BDH, coordination provinciale du Maniema, condamne la violence utilisée par la police pour réprimer cette marche pourtant pacifique. Crispin Ndariloko Muyololo demande au maire de la ville de Kindu, qui avait interdit cette marche, de s'illustrer beaucoup plus dans les actes qui vont dans le sens de développer sa ville. On écoute dans cet extrait choisi par la RTC. Pour moi, vraiment, c'est un regret. Nous avions noté un monitoring sur la manifestation publique de ce jour avec l'arme au jet par rapport à l'arrestation de ce 4 jeunes défenseurs des droits de l'homme et qui nous faisait que ce qui est autorisé par la Constitution sans casse, moins encore les insultes, ils ont écrit. Auprès du maire, le maire a acquisé réception parce que nous sommes dans un régime d'information, ne sommes pas l'antiquité où l'autorité peut autoriser seulement l'information. Le maire aurait seulement donné un dispositif policier pour garantir les manifestants. Mais nous sommes désagréablement surpris de voir ces jeunes faire même 72 heures de manière illégale alors que le droit lié à la manifestation est autorisé par la Constitution de la République démocratique du Congo. Seulement la libération et aussi au maire de la ville qui doit s'intéresser au développement. Depuis qu'il est maire, il n'a jamais inauguré même un poteau. Il y a de l'éclairage public qui ne donne plus, il doit réhabiliter la salubrité de la ville alors qu'il a des actes générateurs de revenus. Il doit s'occuper de travail, on doit le voir à l'œuvre, pas dans des petites choses comme ça qui ternissent l'image de la démocratie congolaise alors qu'on avait déjà fait un pas vers le développement démocratique. Et pour être compris dans ce dossier, sachez que Mukunda Rostini Eradi, Athanas Kandolo, Flori Kiabi et Atibou Sébastien, les 4 militants du mouvement citoyen Lucha arrêtés le mardi dernier par la police, ont été relâchés finalement le vendredi 1er mars 2024 dans la soirée. Comme vous l'avez noté à l'entame de ce journal, l'ONGA Kisabinadam Maniema dénonce la spoliation de la concession de l'aéroport national de Kindu par plusieurs autorités au niveau de la province. Dans une interview accordée à la presse locale le vendredi 1er mars, son secrétaire exécutif fait savoir que ces autorités priorisent leurs intérêts personnels plutôt que l'intérêt de la province, car cet aéroport est en phase de devenir un aéroport international. Raphaël Louboupelele-Lokenga demande par la même occasion au gouverneur à l'intérim de prendre les mesures qui s'imposent pour réhabiliter la RVA dans cette voie. On l'écoute.
l'union sacrée par l'entremise de ces animateurs, en l'occurrence le gouvernement provincial, qui est à la base de cette spoliation. Je viens de mettre dans les groupes les rapports dont je viens de faire allusion. Alors, c'est ici l'idée de nous poser la question: pourquoi nos propres frères qui régentent la chose publique d'État, en l'occurrence aussi les unions sacrées, puissent naviguer à contre-courant des intérêts de la République? Parce que aujourd'hui, nous avons eu cette bonification d'avoir ce projet d'élection ou de construction de l'aéroport international dans notre ville de Kindu, mais curieusement, l'entreprise qui vient construire est bitée à cause de la spoliation. Et puis, lorsque nous demandons à ce que tous les spoliateurs puissent être déguerpés, cette demande se conforme à la recommandation de cette mission, eh bien, c'est M. Salé qui sort de son silence pour nous attaquer par des propos presque intimidants. Bon, c'était aussi lié ici de dire que nous, en Akizemianam, nous n'avons qu'ire ni des personnes, ni des menaces, si ce n'est des droits dans nos entreprises. Tout ce qui c'est lui qui va nous chercher, nous trouvera sur son chemin. Et nous ne pouvons pas continuer à nous laisser manger la laine sur les dos comme des moutons. Mais nous devons faire un effort pour que les droits de l'homme et la bonne gouvernance puissent être des réalités vivantes dans notre province. Restons dans les couloirs des Akizemianam Maliema pour vous signaler que cette organisation non gouvernementale déplore également plusieurs irrégularités constatées dans les processus de cooptation des chefs coutumiers au niveau de l'ancien provincial du Maliema. Selon Raphaël Koubelélé, secrétaire exécutif de cette organisation, il est inadmissible qu'aucune femme ne soit retenue, étant donné que l'organe délibérant du Maliema ne compte à ce jour aucune femme, ce qui va à l'encontre de la parité homme et femme prônée par le chef de l'État. On écoute une fois de plus. Vous savez, c'est avec beaucoup d'amertume et de regret que nous avons suivi que la CENI a pris la sélection, les cooptations de chefs coutumiers, eh bien, n'a pas tenu compte des principes sacro-saints d'une grande innovation de notre constitution. Je voulais parler ici de la parité homme-femme. Alors que lorsque vous lisez l'article 14, lorsque vous lisez l'article 13, lorsque vous lisez la loi portant la mise en œuvre de la parité homme-femme, lorsque vous lisez aussi les instruments africains tels que les protocoles de Maputo, qui est considéré comme la Bible de la femme africaine, lorsque vous lisez d'autres instruments spécifiques de la femme, notamment la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, eh bien, ça contraste avec cette cooptation. On a coopté seulement des. Et puis, tous les dés, ce sont les hommes. Et pourtant, parmi les sélectionnés, les chefs du coutumier sélectionnés, il y avait une femme. Mais on n'a pas tenu compte à cause des fins électoralistes. C'est pour cela que nous avons dénoncé en son temps. Et nous en profitons ici pour dénoncer haut et fort cette attitude de la CENI qui n'a pas tenu compte de la parité ou de la représentation féminine. Aujourd'hui, nous allons avoir, comme en 2006, une assemblée provinciale constituée uniquement des hommes. Alors c'est un véritable requis, alors que le président Tshisekedi a été plébiscité comme champion de la masculinité positive. Lui-même a beaucoup travaillé sur les droits de la femme, mais sur le terrain dans la province de Maliema, on est en train de mettre à mal sa politique. C'est pour cela que nous pouvons dire que le régime est très mal loti, très mal représenté dans notre province. Tout à fait autre chose à présent. La deuxième phase des travaux de cantonnage manuel de la route Kindu-Kibombo, initiée par le député provincial Salomon Escadela, évolue normalement. Sur terrain, les travaux sont exécutés sur l'axe compris entre les points et kilométriques 80 jusqu'au chef du territoire de Kibombo. Image et commentaire.
Voilà à quoi ressemble actuellement la route Kindu-Kibombo après la première phase des travaux de cantonnage manuel, initiée et financée totalement par les deux fils, Salomon Idi Kalonda Dela. Cette première phase, qui a concerné la partie comprise entre le PK36 au PK80, permet aujourd'hui aux usagers de circuler librement malgré la présence de la saison des pluies. Ne faisant pas une chose à moitié, Salomon Escadela, à travers son NGD, vient de lancer la deuxième phase de ses travaux qui partiront du village Tchaté au PK80 jusqu'au chef-lieu du territoire de Kibombo, ceci à la grande satisfaction des usagers. Kindu Kibombo tulikuwa kunywa 7 litre, me leo ukikuwa kustare unakunywa 3 litre bimi unafika Kibombo. Me zamani tulikuwa kunywa ni 7 litre. Nikusema inanusaidia kuekonomize. Hapa inatusaidia sana kuekonomize kapitali yetu, atukonsume tena zaidi. Tulikuwa na magumu sana hapa, tunesula tutoke hapa tuone Kibombo. Njia ilikuwa yenye kuharibika sana, lakini kupitia mapendo ya Salomo. Pour l'ingénieur Bertin Kalunga qui exécute ces travaux, la deuxième phase commence par le débroussaillage, puis suivra l'abattage des herbes avant d'entamer le terrassement. Aujourd'hui, nous avons commencé avec le débroussaillage, le désherbage. Après ça, nous allons faire l'abattage des arbres. Après l'abattage, nous allons continuer avec le terrassement. Ici, c'est l'entretien. Nous allons ouvrir les saignées. Cette deuxième phase, nous avons ajouté, nous venons d'ajouter des équipes. La première équipe, c'est de Loponde, du village Loponde jusqu'au village de Fumadé. La deuxième équipe commence du village Penessoula jusqu'à Kibombo. Donc ça fera maintenant 6 équipes. Parce qu'auparavant on avait 4 équipes. Nous venons d'ajouter encore 2 équipes. Et là nous avons maintenant 6 équipes qui sont maintenant sur le terrain. Prisonnier politique de son état, Salomon Kalonda Idi Dela n'a pas cessé de financer les travaux d'entretien et de réhabilitation de la route Kindu-Kibombo, longue de 157 km, qui est beaucoup plus sollicitée actuellement par les usagers. Eh bien, ce soir, le stade de Joseph Kabila Kabangé de Kindu se trouve à ce jour dans un état de délabrement très avancé, constat fait par le reporter après une descente effectuée sur les lieux. Sur place, les herbes envahissent toute la clôture du stade et même l'air des gilets. Suivez ce reportage. Inauguré le 30 juin 2016 par l'ancien président de la République, le stade Omnisport Joseph Kabila Kabangé de Kindu est devenu l'ombre de lui-même. Pourtant, un lieu touristique qui attirait beaucoup de personnes par le passé, ce stade est à ce jour méconnaissable. À l'extérieur, par exemple, tous les murs sont envahis par les herbes et même certaines entrées sont inaccessibles. Les portes qui restent en activité sont dans un état de délabrement avancé, situation qui ne garantit aucune sécurité dans ce temple de football. À l'intérieur du stade, c'est le même constat. D'une part, les herbes menacent déjà l'air de jeu et de l'autre, les sièges de tribunes et autres sont dans un piteux état. Pour plusieurs habitants de la ville de Kindu interrogés à ce sujet, il est inadmissible de constater le silence des autorités à tous les niveaux face à la dégradation de ces bijoux qui faisaient la fierté de toute la province du Maniema par le passé. Selon plusieurs sources concordantes, le stade est gardé à ce jour par les personnes qui ne sont pas reconnues par l'État congolais. Limité et impuissant face à cette situation, ces derniers n'ont aucune solution à apporter. Et puis, un mot de football pour terminer ce journal. L'association sportive Maniema Union de Kindu s'est imposée sans peine face à sa sœur, l'AS Feyenoord de Goma, du Nord Kivu. C'est le score de 2-0 ce vendredi 1er mars 2024 au stade Joseph Kabila Kabangé, à marge de la première journée de play-off du championnat national de lutte, l'INAFOOT Ligue 1, saison 2023-2024.
Et c'est par ici que nous refermons complètement ce journal. Ce fut pour moi un plaisir de vous présenter cette édition de Bonnes Nouvelles sur la radio télévision Saouti à Kindou. Le même plaisir sera renouvelé la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur la RTSK. Au revoir. We'll be right back.